Les 111 PME agréés souhaitent avoir une audience avec le président de la transition pour préparer cette rencontre. Si elle est accordée, le bureau des 111 PME s'est retrouvé pour statuer sur les grandes lignes qui seront abordées à cette occasion, parmi lesquelles on note l'attribution des marchés. Daniel Bouka, Guissard Dinza pour les détails. Le temps presse pour ces 111 PME détentrices d'agrément dont le bureau se retrouve ce jour pour cette séance de travail. Elles veulent contribuer au développement du pays via leur expertise. Ces 111 entreprises sont réparties dans différents secteurs. On a le BTP déjà, donc le bâtiment et travaux publics. Nous avons bien sûr des entreprises expertes qui sont spécialisées et dans le commerce et dans le service. Les majors, c'est-à-dire que les grandes sociétés, vont souvent faire appel à des PME. Et c'est la PME qui a l'expertise, c'est la PME qui a les techniciens. Donc les réalisations que vous pouvez voir autant dans le bâtiment que dans les travaux publics sont exécutées par des PME. Après l'ordre des architectes, la FEG, ce collectif souhaite à son tour échanger de vive voix avec la première autorité du pays afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction du Gabon nouveau. Le Gabon est en chantier, nous ne sommes pas en chantier. Nous sommes des entrepreneurs autochtones. Nous voulons construire notre pays. Nous avons adressé une correspondance auprès du président de la République. Nous voulons que le président puisse nous recevoir. Nous avons des suggestions à lui faire. Cette action est donc pour ces derniers perçue comme une lueur d'espoir pour les PME locales.